I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test masque, hein, je vais l'appeler comme ça la vidéo. Et en fait aujourd'hui j'avais commandé un masque en fait sur Amazon, et bon, le prix là sort sur la vidéo en dessous là. Et en fait ce masque là, j'ai vu que des Américains mettaient ça et tout, ils testaient, il avait l'air cool. Et comme moi je me suis dit, bon, j'ai fait déjà des vidéos de masques, comme vous avez vu dans ma chaîne, des vidéos là où j'ai mis des masques, j'ai testé plein d'autres masques. Et là ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéos comme ça. Et du coup là j'ai fait ma commande de ce masque là, qui s'appelle, attendez, j'ai du mal à le dire un peu, le truc c'est Carbonate Bubble Clair Mask, je sais pas quoi. Enfin, regardez, je vous laisse regarder un peu. Regardez, c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Là, vous voyez bien, je pense. Voilà. Et du coup, j'ai commandé ce masque là. Je me suis dit, bah, je vais le tester. Comme je vois que les Américains, ils disent que c'est un bon masque de bonne qualité. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos. Et j'ai vu même des Français qui ont fait sur YouTube leur vidéo. Ils estiment que c'est un masque de bonne qualité, comme j'ai l'habitude d'en dire. J'aime bien dire ce mot bonne qualité. Là, ça, c'est un masque quand même de bonne qualité pour moi. Ce que je vois, vu que tout le monde dit que ça. Alors là, je me suis dit, je vais le tester pour moi et je vais voir ce que ça va faire. Si ça tue pas les gens, c'est comme le masque qui tue pas les gens, donc il va pas me tuer. Donc voilà, j'ai une peau qui a travaillé, comme vous avez vu, j'ai une petite tache noire, je sais pas si on l'a... Ouais, j'ai une petite tache noire. Du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment de faire une nouvelle vidéo de soins de visage. Sinon, ma peau, en fait, se comporte bien, j'ai juste des petites cloques comme d'habitude, là, sur le côté. Mais sinon, bon, ça va, il y a des évolutions sur ma peau. Je fais, parce que je mets... bon, ça, c'est vrai que ça m'arrive des fois d'un peu arrêter de mettre mes crèmes et tout. Mais là, ça va, je me suis un peu relancé, puis ça va, j'essaie de m'entretenir, il faut s'entretenir, ça, c'est logique, il faut toujours avoir un bon profil, un joli visage, il faut toujours être au maximum de soi-même, de se représenter toujours bien, quand on voit dans la rue, etc., ou par exemple pour le travail, comme moi je travaille beaucoup avec beaucoup de clients, donc voilà, je vais pas faire blablabla, vous avez compris, il faut que les clients, ils voient quelqu'un qui est raisonnable, qui est propre, etc. Et tout. Moi, je suis beaucoup sur la propreté, j'aime beaucoup. Alors du coup, bon, je vous allez dire, je fais un peu trop de blabla. Comme d'habitude, moi, j'aime trop parler. Je suis lancé, ça, je vais plus m'arrêter. Du coup, bon, on va commencer la vidéo. Et puis, du coup, ben, je vais ouvrir le produit. Parce que là, j'ai déjà commencé à le désemballer tellement je suis un rageux. J'étais pressé pour voir ce que ça donnait. Et puis, voilà. Alors il y a le produit, il y a un truc que j'enlève là, une espèce de plastique dans le produit. Et puis le produit se présente comme ça, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, regardez, il est comme ça. C'est une espèce de, on dirait en fait que c'est du ciment, on dirait, un morceau de ciment, on dirait, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ça a presque coulé, on dirait un morceau de ciment. Et du coup, ce qui est bien sur ce produit, bon après ils expliquent bien que bon, il faut l'appliquer. Et le laisser au moins à 3 et 5 minutes, un truc comme ça, et puis attendre un peu. Et alors du coup je vais le faire, je vais bien l'appliquer dans tout le visage et je vais faire attendre au moins 3 à 5 minutes, et puis après on va voir ce que ça va donner, si c'est bien, si peut-être mon visage il va être tout rouge, peut-être je veux gâter mon visage, mais enfin je pense pas que je vais gâter mon visage, parce que je vois il y a plein de gens qui l'ont. Les avis sont bons dans le produit. Je me suis bien renseigné d'abord avant de prendre le produit. Vous allez dire, je prends des produits, je me renseigne pas. Puis bien sûr, je me renseigne. Puis voilà, alors du coup, je regardais la boîte. Bon, oui, c'est ce que je vous disais, c'est à 2 à 3, non, on va dire, que je dis 3 à 5 minutes, l'appliquer et le laisser pendant 5 minutes. Voilà. Puis voilà, bon, c'est marqué, je sais pas si vous voyez bien un peu la notice. Bon. C'est les cartons, ils expliquent un peu. Après moi j'essaie, mais puisque je me suis déjà bien renseigné avant d'essayer. Et aussi j'ai oublié de vous dire que il y a aussi un petit, j'ai vu, il y a un petit bout de plastique, en fait un petit bout de plastique, regardez, petit bout de plastique, puisque c'est pour étaler bien le produit, ça c'est logique. Moi je trouve que c'est bien,
Ils ont fait les choses bien de prendre ce petit bout de plastique. Regardez, je ne sais pas si je le montre bien. Et puis, regardez, je veux sortir. Bon, je veux me préparer à mettre le produit. On se retrouve dans une seconde, le temps que je me place bien et que pour mettre le produit, puisque quand même, c'est quand même un nouveau produit pour moi. Je veux voir vraiment si ça fait vraiment de la mousse. Les effets que ça fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il est bizarre pour moi le produit, mais il a l'air de bonne qualité. Je vais reprendre 2 minutes pour bien me mettre dans les bonnes conditions, puisque là, j'arrive pas à enlever le plastique dans le plastique, en fait, le petit bout de plastique. Voilà, j'ai mis le produit, tout se passe bien, le produit est bien appliqué, c'est nickel, vous avez vu, ça fait un peu bizarre, je suis bizarre, franchement, ça fait, vous avez vu, c'est bien gonflé, je sais pas si vous voyez, c'est bien bien gonflé, regardez, je suis bien, c'est très très gonflé, et ça, en fait, c'est devenu genre en mousse, en fait, c'est bien bien gonflé, ça a gonflé tout seul le produit, et puis du coup, là, il y en a de partout, je le vois même le produit ici là dans mon nez, je le vois avec mes yeux qu'il y a du produit autour de mon visage. Et voilà, on voit bien que c'est un masque en fait, c'est extraordinaire franchement, il est vraiment bien ce produit. Mais encore là j'en ai mis beaucoup, mais j'ai étalé un peu n'importe comment, j'en ai mis un peu beaucoup dans certaines zones et un peu moins dans certaines zones. Mais ça gonfle quand même, c'est ça qui est bien. Mais franchement le produit il est bien, franchement là je vois quand je vous regarde là, je vois bien que je vois bien la mousse en fait. C'est génial. C'est parfait cette histoire. Mais voilà, maintenant je vais attendre les 5 minutes, hein, les 3-5 minutes, hein, vite fait 5 minutes pour que ça agisse bien tranquillement. Et puis ensuite, voilà, je vais aller me savonner le visage tranquillement et je vais voir ce que ça donne. Si ma peau, si je me sens bien ou si je me sens mal. Mais je pense que ça va. Ça a bien travaillé puisque là je vois que ça travaille très très bien. Vous avez vu, c'est bien la mousse, c'est bien gonflé, le visage il est gonflé, mais incroyable, ça fait bizarre comment je suis. Ah, on dirait que je suis un clown, je suis vraiment un clown, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis un clown. Voilà, et puis voilà, bon, je vous reprends de suite, là, je vais aller me rincer le visage, je vais attendre d'abord les 5 minutes tranquillement, et après je me rince le visage, et puis on se retrouve pour regarder si je me sens bien, si je me sens mal. Ah, me voilà de retour, comme vous avez vu ma peau, je pense qu'elle est un peu plus claire, hein. Franchement, je sais pas si vous voyez la différence, mais pour moi, je la sens un peu plus claire, un peu plus claire, et bon après j'ai pas mis de crème là, hein, parce que d'habitude je mets un peu de la crème, là j'ai pas mis de la crème super soin, juste pour vous montrer comment là est ma peau, mais là comme vous avez vu, c'est un peu clair, mais franchement je vous dis, c'est un peu clair pour moi, en plus ce que j'aime bien c'est que j'ai une peau bien douce là. Là, elle est très douce, ma peau, j'aime bien. C'est extraordinaire. Moi, j'aime bien le produit, franchement. Moi, je vous conseille ce produit à essayer, regarder sur Amazon. Juste à regarder le prix. Le prix, il est pas cher. Il est quand même pas cher. C'est 11 euros, le prix que vous avez vu. Je l'ai pris à 11 euros. Mais après, il y a toutes sortes de prix. Mais regardez bien que c'est bien ce produit-là. Regardez bien. Je vous remontre une fois. Voilà, regardez bien que c'est bien ce produit avec le petit cochon. C'est assez drôle, c'est un produit spécial. Mais franchement, moi j'aime le produit. Après, ce que j'aime bien, c'est quand tu le mets, c'est une espèce de mousse qui gonfle et tout. C'est extraordinaire. Mais après, pour le laver, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu difficile à faire enlever, à faire partir le produit. Mais sinon, franchement, il est bien. Franchement, moi j'aime bien, je peux vous le conseiller. Le produit, il est vraiment de bonne qualité. Il vous travaille bien les pores. Etc. Mais franchement c'est un produit, il faut regarder la notice pour savoir, moi j'ai vu que c'est un produit qui me concerne par rapport à ma peau, ça travaille mes pores, etc., mes boutons, etc., ça travaille un peu mes taches et tout, mais franchement il est bien ce produit, moi j'aime bien, je vous le conseille. Bon ben on se retrouve pour la prochaine vidéo de, bon ce ne sera pas une vidéo de soins de visage, et malheureusement ce sera une autre vidéo d'autres choses, j'aime bien faire de différentes vidéos. Bon ben je vous retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes à cette vidéo, et puis mettez-moi les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo d'un produit que vous avez aimé, que vous voulez que j'essaye, un produit qui est assez spécial, que vous trouvez assez spécial, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je l'essayerai le produit avec plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Salut les amis.